félicitations grâce à cette vidéo. On dit merci à vous-même qui abonnez à ce channel là déjà. Et on vous remercie à vous-même qui pouvez faire ça. Et un remerciement spécial pour vous-même qui visitez ce channel là pour la première fois. Je dis à la fin de cette vidéo et spécialement pour nous faire une comparaison tout petit entre ambassade pays d'Haïti qui est dans le pays Brésil et ambassade pays d'Haïti qui est dans le pays Chili. Qui est-ce qui a fait le travail? Maintenant, faire une comparaison directement entre deux sites internet qui ont mis à la disposition de nous-mêmes haïtiens qui ont un service ou bien qui ont besoin de service, nous n'avons pas de que nous payons pour ça. Donc, nous allons faire une comparaison pour nous voir qui est-ce qui peut faciliter le service. Donc, nous allons voir est-ce que c'est une question de compétences, mais on va regarder ensemble. Ok, ça on va regarder là, c'est site ambassade d'Haïti qui est dans le pays Chili. L'ambassade vous informe que le service consulaire fonctionne normalement sur rendez-vous avec une capacité d'accueil réduite afin de respecter les consignes des autorités sanitaires. Et en plus, en bas, où je n'ai écrit en créole. Donc, c'est comme ça, les accueillent leur entrée sur le site-là pour le moment. Entrer sur le site-là directement pour nous comment qu'elle présente. Mais comment le site-là, lui-même, les représenter. Et puis, mes représentants ou bien mes ambassadeurs, Fanfil Monetti Junior, qui est ambassadeur nous dans le pays Chili. Là, nous cliquons là, nous avons toute information sur l'ambassade là. Si nous partons là, service que vous mettez à la disposition, nous avons un service pour passeport, nous avons une émission de visa, nous avons un mandat, nous avons un certificat, nous avons une légalisation, nous avons une empreinte digitale, nous avons une déclaration de naissance. Si nous avons une partie ça, nous avons une relation bilatérale entre Haïti et Chili, nous avons une coopération entre Haïti et Chili, nous avons une situation donc la visite officielle, qui est visite officielle, nous avons une information, par exemple, en cliquant sur les bonnes. Ok, les bonnes toutes visites officielles qui dégagent entre et pays d'Haïti et pays Chili, nous venons tout ça là. Si nous allons là, nous venons tourisme et investissement. Dans la partie tourisme et investissement, nous venons une partie tourisme, nous venons une partie commerce, nous venons une partie habillement, nous venons une partie textile, habillement, nous venons une production. Donc moi-même, pour moi-même, je sens que je fais un bon travail quand même sur le site ça qui est même à la disposition nous, juste pour nous-mêmes qui avons Chili ou bien. Et qui besoin d'un service dans l'ambassade chilienne. Donc, moi, c'est de faire un bon travail. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, donc, vous pouvez cliquer là et puis vous pouvez dire qui sont besoin d'un rendez-vous à la vôtre, soit ça, sur qui service vous besoin. Est-ce que c'est un point digital? Est-ce que c'est pour question de passeport? Est-ce que c'est pour mariage? Pour mandat, certificat, légalisation, etc. Donc, pour moi, à mon avis, vous faites un bon travail quand même, selon moi-même, on va dire vous-même. Pour comprendre ça arrive, réalité à les différents des gens qui ont présenté service ou bien gens qui ont présenté site internet là. Donc, on a regardé dans site internet pays d'Haïti qui est dans le Brésil là, pour nous voir comment ils représentent. Les deux ambassades d'Haïti au Brésil informent qu'elle n'a pas de page Facebook. Pour question des pages qui ont été apparemment sur site ambassade pays d'Haïti qui est dans le Brésil là, pour moi-même, elle n'est pas bien représentée. En garde là, nous sommes capables d'agenda pour passeport. Alors, si nous avons besoin de rendez-vous pour passeport ou remplir le formulaire, seulement ça pour passeport que vous mettez. Mais en y encore, que vous n'avez pas offert apparemment sur ce site-là à première vue. Sinon, c'est là où descend en bas, là où descend en bas, côté qui vous ajoute des informations dans quelle position que vous avez. Dans qui côté que vous avez, et puis email, vous avez quelques détails en bas. Et puis là, descendez en bas net, vous avez juste bas information si vous avez besoin d'un autre document, donc pas de moyens qui vous capable de faire, comment vous remplir, quel type de document vous avez besoin. Et puis, vous avez juste bas un numéro de compte, côté que vous avez tout bon prix, donc vous pensez que c'est un bon travail quand même. Vous avez bas prix document, vous avez bas numéro de compte pour déposer. Et puis, le service que vous avez en tout ça, côté que vous-même, pour capable de voyer document ça, tout le ça, par moyen de courriers ou bien CEDEX, juste pour service ça. Automatiquement, vous voyez tout document que vous demandez, ensemble avec fiche que
qui démontre que vous payez service là, donc vous avez un service là sans problème. Donc encore là, nous pensons que vous faites un bon travail. La seule différence qui est apparemment, l'eau à peine entré sur ce site là, donc ouais, c'est pas un site qui est bien présenté. Elle est là, mêlée, et puis le site ambassade Chilia, l'eau est là, plus ou moins, ouais. Site ambassade du pays d'Haïti qui au Chili a plus ou moins bien présenté. Merci, c'était Saint-Louis Lest qui est venu pour une autre vidéo. Donc, si toutefois vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de quitter un commentaire et puis de partager pour plus de monde. Bye bye, à la prochaine. C'était Saint-Louis Lest. Gardez mon sous ça, ou même jouer pour rien, entendez, de pour toucher mon kembe devant net.